T'inquiète, il fait que moins 2 ce matin. On part pas sur la meilleure nuit de sommeil. J'avais un trou dans mon lit là. Genre juste en dessous. Et du coup, j'avais des fourmis dans les épaules. Toujours ta nuit. Elle a eu super froid cette nuit, elle a trop mal dormi. Ça se voit, sa coupe de cheveux. On part prendre notre petit-déj au marché local. T'as la clé ou pas? Ouais, j'ai la clé, ouais. T'es sûr? Ouais. En vrai, on serait mauvais, il ferait presque chaud. On part en vrai au petit-déj traditionnel, les gens viennent de partir, mais t'es assis avec des gens. On mange du pain. Ouais, mais on en pas. Mais le pain, il a le goût de poussière. Chou, bah, elle bouffe un hamburger dès le matin. C'est des hamburgers aux œufs. C'est bon? Le pain à la poussière, je mets une note de 3-4. Ça se mange, mais faut bien le diluer. Par contre, ça, c'est bon. Bon, bah, on est parti pour aller dans le désert. J'en ai partout. Du coup, avant de partir, on fait le plein de la voiture et des bidons d'essence et de tout. Première fois qu'on nous demande les passeports pour prendre de l'essence. On a 5 bidons d'essence, je crois, un truc comme ça. Plus la voiture remplie full. Ils veulent pas qu'on remplisse les bidons. En fait, c'est interdit, ils ont pas le droit. Et. Bon, ils ont accepté de nous donner 50 litres. Heureusement qu'on avait déjà rempli 2 bidons avant. Mais je sais pas si on va avoir assez. En fait, déjà avec tous les bidons, on savait pas si on allait avoir assez. On tombe sur une dame incroyable qui nous remplit tout en secrète alors qu'elle a pas le droit. Vraiment, madame. À la place de nous donner 50 litres, elle nous a donné 80 litres. Du coup, on est full plein là. Inch'Allah, on n'explose pas. Hein. Marché qui bloque la route, donc on sait pas par où passer. On va passer le marché et on est parti, je crois pas. Je fais un petit repas gastronomique samedi. C'est lourd, hein. Du coup, on va manger des chips, des céréales, des graines et des fruits avec une bonne odeur de naissance, je vais dire. Une odeur d'essence. Et voilà. Quand on a acheté des fraises, elles sont super bonnes. Bon, on va pas se mentir, mais être une meuf dans le désert, c'est pas très drôle. Surtout quand ça tombe à la mauvaise période. J'ai eu super chaud parce que vraiment 2 secondes après, il y a des Boliviens qui sont venus voir pour savoir si tout allait bien, vu qu'on était arrêté au milieu du désert, sur le côté d'une route. Voilà le village dans lequel on dort ce soir. Vous le voyez pas? C'est normal. Il est bien trop petit. Ce village dans lequel on va essayer de trouver un hôtel. Du coup, voilà la gueule de l'hôtel. Ah, on est parti voir si on peut dormir là-haut. Bon, du coup, dans l'hôtel, on pouvait rentrer et tout, mais. On était passé par la rue principale du village. Mais bah, il n'y avait personne, donc on était voir l'autre. Voir s'il n'y a pas une autre. On va aller voir l'autre hôtel. Bon, il y a d'autres hôtels, mais l'autre hôtel a l'air tout aussi fermé. Qu'est-ce que tu as écrit carrément ça à dos? Mais après, c'est peut-être que pour le pain. Oh. On retourne au premier hôtel parce que il y avait un numéro de téléphone au moins sur la porte. Et là, il n'y a rien, il n'y a personne. Et les lits sont pas du tout en bon état. Enfin, en fait, à chaque fois, c'est ouvert, mais il n'y a personne. Il y avait un numéro à l'entrée de l'hôtel, donc on a appelé. Ils ont dit de patienter que ça arrivait. Et ça fait. Enfin, c'est on dirait un hôtel abandonné. En vrai, il fait pas trop froid ici, ça va. Mais en vrai, les portes. Du coup, on a petite vue sur le grand village. C'est bizarre, on peut. Oh, le lit, il a l'air énorme, non?
Ouais, ça appartient à quelqu'un, à mon avis. T'as du coca, t'as des boissons, t'as tout ça. Le réfrigérateur. Oui, il y a Kevin qui habite ici, je pense. Et c'est bizarre que rien soit fermé, qu'on puisse avoir accès comme ça. Bah, c'est que j'y arrive pas tout à l'heure. Il y a des traces de mains. Tout le monde jumé. Je sais pas qui est mort là-dedans, mais. On se connaît trop. Oh, il y a un petit chauffage, non, là. Il y a même des gens qui viennent là. C'est froid. Il y a un petit chauffage. Ah, la lumière a été allumée ici. Non, je crois pas que j'avais allumé ici. Peut-être quelqu'un qui est arrivé. En tout cas, les lumières, il y en a une chose qui fonctionne. Si, si. Oh. Il y a cette chambre-là qui est fermée à clé, la fenêtre, elle est ouverte. Tu trouves, il y a quelqu'un qui habite ici. Hein. Bon, il y a la laverie tout au bout de l'OTM. Mais c'est immense. Vraiment, c'est... Enfin, genre, je sais pas si on se rend compte à quel point c'est grand. La personne... Putain, ma gueule, on dirait une grosse fin. Le monsieur, là, il est arrivé pour l'OTM. Attends, il m'a ramené la clé. Il m'a ramené une clé. Du coup... Monsieur, il nous a tout changé, les draps et tout. Il y a l'eau chaude aussi ? Ouais. Waouh ! Il dit que bon, pour l'instant, elle n'est pas très chaude, mais d'ici 3-4 heures, elle sera un peu plus chaude, et le matin, elle sera très chaude. Eh. Ça, c'est pas le grand luxe. Franchement, on a tout ce qu'il faut. Hein. Franchement, elle est bien. On a même une petite bulle stylée. Ah, bah, faut pas trop demander. On dirait que je suis chaude, mais au moins, mon petit est chaud, on est bien accueilli. Choube. Non, il fait très froid dehors, j'ai aucune envie de sortir. Mais les croûtes sont tassées devant le chauffage. On voit rien, monsieur la vite, mais c'est pas moche. Papa était chercher le deuxième chauffage. Voilà, vous avez froid. Comment vais-je bien pouvoir jouer? Vraiment, si je perds avec ça, je suis vraiment la personne la plus éclatée du monde. Non! Arrête de tricher! On a de la chance parce qu'on va avoir un repas alors que c'était pas prévu. Je vais filmer en train de faire sortir. On a deux chauffages. Pour on a deux ça. Chauffages et dans la chambre il fait chaud. C'est le style. On est trop beau. Je sais pas ce que c'est. On va faire une expérience. On va aller voir le temps qu'il fait dehors. C'est bon, j'ai vu. J'aurais dû prendre la clé de la voiture pour la température. Ouais, je reviens. Il revient, mais nous, on va pas dans le dehors. En vrai, ça va. En vrai, la température, elle change pas. Par contre, on peut voir plein d'étoiles parce qu'il n'y a pas beaucoup de pollution lumineuse. C'est le temps idéal. Tchoum ! Je vois plus rien. C'est le temps idéal pour se poser, regarder les étoiles. On voit rien. Lumineuse, on voit toute la voie lactée et tout, c'est trop stylé. Bon, il fait très froid, mais... Et ça fait un peu peur aussi dehors. Mais c'est trop beau. On a une petite soupe avec des petits pains tout chauds. En tout cas, la soupe, elle est super bonne. Avec les petits pains chauds, il est content. Ça fait du bien de ce temps-là. Oh putain, mais il m'a coupé deux cheveux, j'ai l'impression de m'appeler l'honneur. Je peux le faire avec toi. C'est sûr, petit plat. Ça a l'air bon, c'est bon ? C'est bon. Il nous a apporté ça, c'est un maté. Je sais pas trop ce que c'est comme plante. Et en gros, c'est pour l'altitude, l'estomac et tout, ça fait trop du bien. On va goûter. Non, mon cul a se stylé cette recette parce que j'ai un petit chauffage juste avant ma douche, ce qui fait qu'il fait super chaud dans la douche, c'est un sauna. Il y a de l'eau chaude. Il fait chaud dans la chambre, on a bien mangé, le monsieur est gentil. C'est bon là.